Et plop, les gens de retour sur Bat Boy. On va tout de suite aller au niveau 2. Adrou est toujours là, il dit qu'il a fini le jeu. Level 2, sommet des chiffres. Pratiquons un peu ce Bat Spin. Oui. Oui. Et Porcine aime se déguiser. Je pense pas avoir vu d'autre chose. C'est dur le boss final parce que j'avais pas récupéré de quoi avoir plus de vie. Ah. Oups, punaise. Oh, m'embête. Il y a un passage secret là. Ok. Bien caché. En mode mais il est introuvable alors qu'en fait, grâce à les... Il est trouvable avec le niveau d'après. J'ai oublié le bat spin ici. Évidemment. D'accord, les boulets de canon. Merde. Les boulets de canon, on ne peut pas les avoir. J'ai pas fait gaffe, mes sous. Rappeler la bête avec un coup de batte justement. Le sol ici, non, il a l'air de rien avoir. De pas cacher des trucs n'importe où et après je tape tous les murs. Est-ce que là j'ai fait le louper pareil? J'ai vu à la dernière seconde. Oula! J'avais pas fait gaffe qu'il pouvait faire ça. Je n'avais pas. Vous avez pas laissé faire. On va prendre le checkpoint d'abord. Et que pour une. Voilà les cerises, si c'est ce qu'elle a dit la dame là. C'est pour pouvoir acheter des potions de soins. Quoi? Ici 147. Du coup il m'a comptabilisé la cassette, donc on est bien.
Ouh. Ça m'a téléporté, hein. Pourquoi n'avoir rien loupé de plus? Que on va pouvoir emmener. Alors je sais pas si c'est pouvoir ou devoir emmener les boulets jusqu'au bout, mais ok, ça ouvre les deux portes. Facile de passer par en haut, peut-être qu'il faut revenir avec d'autres pouvoirs, effectivement. Voilà. Tout ça pour ça. On va passer par en bas. Et tant pis. J'ai cru que c'était trop juste. Alors c'était ici le dernier moment pour... Aïe aïe aïe. On va dire qu'on s'en fiche un peu. Ce n'est pas un passage totalement différent, c'est... Ah mais en plus on se cogne au plafond, d'accord, c'est mort. Alors, pour le moment ça se passe bien. Ce saut il est juste. Hein. Oula. Ah il a fermé son œil là-haut. J'avais pas vu qu'il avait un œil ouvert. Non mais quand on s'approchait, la porte avait un œil ouvert. Alors...
Ah, je me suis poussé par la grenade. Et je rêve ou c'est un auto-scroller? Oh yeah. Non! Bah oui, je découvre totalement le jeu. J'ai eu une clé grâce à. Bah d'ailleurs, j'ai oublié de les remercier, je crois que c'était X Plus Compagnie. Et du coup, je découvre le jeu en live. J'aurais pu. Passer. Du coup, je remercie X Plus Compagnie de nous avoir proposé. Le jeu, il m'a l'air bien qualitatif. Il y avait un switch là-haut. Tant pis. Oh là là, je fais nimp. Envie de faire une bêtise là. C'était bien une bêtise. Mais dans la moitié des jeux vidéo, c'est un passage secret alors. Fallait tenter. Genre ce truc là. Non. Très bien. Et non. Et non. Ça ne passe pas à coup dur. Effectivement, pour le joueur français. Oh, je suis trop à la dernière seconde, c'est ici. J'ai fait n'importe, j'ai appuyé sur le bouton juste avant. Ouais, je vais arriver là-haut pour le défoncer, qu'il arrête de m'embêter. Alors, je crois que c'est là du coup. Et ben, c'est loupé. J'ai pas réussi à récupérer. J'ai pas réussi à récupérer la dernière grosse gemme. Et oui, je suis bien français, pas juste francophone. Oh, nouveau personnage. Parlez. Eh, moi, c'est Rufus. Nomade extraordinaire. Voyageur, c'est mon train-train. Voyager, c'est mon train-train. La pêche toi-même. Tu bad boy. Et voici Garou. On n'est pas du coin. Ah ouais. Pas chiant. Aventure loin de chez soi. Y'a que ça de vrai. Un vieux village bâti au sommet d'une montagne. Et il y fait toujours nuit, étrangement. Endroit magnifique. Ok. Boutique. Victor.
D'accord. Vite. Vite, c'est pour vitamines. Pour cerise, c'est pour fraises. Ah, mince. Hop, quoi? C'est... Shnagai, tu es sain et sauf. Qu'est-ce que tu me veux? Haru? Seriosuke, dépêche. On doit retrouver les autres. Les autres? Le vrai guerrier ne compte que sur eux-mêmes. Reprends tes esprits, Taro. On n'a pas le temps pour ces idioties. En un oisillon. Il n'entend rien de ce que tu lui dis. Bad boy. Assez! Et j'ai totalement oublié la voix que je vais faire avant. Tu vas payer pour cet affront. Regarde. Je ne veux pas me battre contre toi. Ainsi soit-il. Je vais donc t'offrir une mort honorable. Ça lui fait des dégâts à l'aller et au retour. C'est donc OP comme attaque. Taro, tu vas bien? Plus fort, pas assez pour faire face à un vrai guerrier. Voilà, là il est vraiment méchant. Je te donne une dernière chance de Tran. Je ne partirai pas sans toi. Et plop, les jeux du signe, le signe noir, je suppose, du coup. Alors, à l'attaque! Oh, punaise. Voilà. C'est donc Bad Boy, le perso à la batte. La Bad Boy et le perso chauve-souris. Et non. Et ce n'est pas non plus une chauve-souris qui m'accompagne, c'est un corbeau, même s'il a dit perroquet au début. C'est bien ça, on lui fait... 2 points, batteur exp. Oh là là. Pourquoi il saute comme ça maintenant? Il était mieux avant. Ike, oui. Monsieur a une plus grosse patte que toi. Non. Normalement, il a un sabre. Plus un sabre d'escrime ou... Voilà. Bon, j'ai perdu un PV de moins. Mince. Bah surtout, le début s'est bien passé et puis la deuxième phase là... c'est pas la même... J'arrive pas à lui sauter dessus. Strike 9. Je me demande si les... Oh, il m'a pas répondu quoi. Mais pourquoi tu te rapproches? Parce qu'il y a eu la cinématique théoriquement. Non mais voilà, je peux pas m'éloigner. Aïe aïe aïe. Et c'est vrai que j'avais pas encore affronté de boss. Ah si, il y avait le tout premier mais... Éloigne-toi quand même un peu plus, ouais. Pas mal le coup de batte pour envoyer l'éventail. Ouais, bah c'est justement ce que j'avais vu dans la cinématique quand t'as proposé le jeu. C'est qu'on peut renvoyer à peu près tous les projectiles. Et ça me paraissait
Rien que pour ça, ça me paraît différent de la plupart des jeux. Toujours agréable d'utiliser son concept. Par contre, là, je fais de n'importe. Allez. Qu'un PV. Oh yeah. Ah. Bah ouais, mais c'est le niveau 2, hein. 3 PV, ça paraît court pour ce boss, mais c'est le niveau 2. Et on a eu une boutique qui nous proposait potentiellement, j'aurais pu avoir une potion de soin, je crois. Mais je suis pas sûr que c'était... de points de vie à Drew parce que tu jouais en mode speedrunner, c'est ça qu'il faut se dire. Quand je les vois finir Breath of the Wild sans prendre une seule fois des PV ou même n'importe quel autre Zelda, je suis en mode why. Oula. Voilà, déjà concentré. En fait, j'essaie plus de lui envoyer ma batte qui aide vachement. Et justement, quand j'essaie de le faire parce que je vois qu'il fait que des dashs et que c'est là où l'envoi de batte est le plus efficace, bah, je plie. Clairement, aller chercher tous les quarts de cœur, c'est... C'est rigolo, mais quand tu speedrun, je comprends que tu sais où ils sont, tu sais... Oula. Et que t'en as pas besoin. Oh yeah, yeah. D'ailleurs, sur Tears of the Kingdom, j'ai exploré plus ou moins la moitié de la map terrestre, sachant qu'il y a les cieux et le... Il y a les cieux et les souterrains. Je pense que je me prends mal à la première. J'ai pris des mauvaises habitudes à la première phase. Et bah voilà! Et pas pour rien que je m'ennuie à mordre devant les speedruns, c'est vraiment pas mal. Taro, s'il te plaît, dis-moi que tu ne m'as pas oublié. Boy? Oui, c'est moi! Content de te revoir parmi nous.
Qu'est-ce qui m'est arrivé? Lord Vicious, ce vil mage t'a lavé le cerveau. Ouais, ce type est un vrai oiseau de malheur. Je rêve ou Spia vient de parler là? Non, tu rêves pas. Je t'expliquerai plus tard. Je me sens encore un peu faible. Repose-toi, je pars devant. Rejoins-moi quand tu iras mieux. Yosuke. Merci. T'aurais fait la même pour moi. Laisse-moi au moins te montrer une technique qui m'a bien servi. Appuie sur RB pour faire un slash dash et briser les rouges. Ok. Ton perroquet est vraiment utile, est vraiment peu utile et on a clairement la fille dans Zelda. Oui, c'est le principe. C'est au début, on se fait toute l'équipe se fait prendre par le sort du méchant. Sauf Bad Boy dans la cinématique. Renvoie le sort du méchant et tout d'un coup, t'as le piaf qui descend et qui. Et qui en fait s'est fait. Ah d'accord. Hop, et là j'ai plus d'énergie. Du coup, cette plante me redonne des orbes d'énergie. Et du coup, il est surtout là pour l'histoire. Frappe la plante, père, pour restaurer ton endurance. Tu lui fais pas mal. À la transition d'écran. Utilise slash bash pour sauter par-dessus les pieds. Bien. Enchaîne plusieurs slash bash pour aller sauter plus loin. Ah. C'est trop loin du coup. Aïe! Non, ça va, on perd pas de. On perd pas de vie dans ce mode d'entraînement. Slash bash sur un ennemi, tu es projeté vers le haut. Synchronise ton slash bash. Ah, bien, ennemi. Comment ça synchronise? Bien joué, fais attention à toi et bonne chance! J'ai pas compris ce que t'avais dit quand t'avais lu mon message. J'avais dit que c'était super dur parce que j'ai pas pris de quoi avoir plus de points de vie. Oui, t'as dit que t'avais pas pris plus de points de vie, mais comme je te comparais du coup aux speedrunners qui, eux, ne gardent le. Vont chercher le, quand tu fais un ennemi % d'un jeu, donc speedrun c'est quand tu finis le jeu le plus vite possible. Et eux vont pas forcément chercher les quarts de cœur, les vies supplémentaires, ils vont vraiment le plus vite possible. Donc effectivement le niveau se grise, devient une cible quand on l'a fait. Donc là j'ai plus assez de sous pour la vache, le jeu qui te ressort, le mouvement de assez. Oui. PV max augmenté, voilà. C'est ça pour augmenter les PV max. Il faut 3 rouges et jaunes. Et les verts, je sais pas ce que ça sert. À quoi ça sert. Mais. J'aurais pas pu l'avoir avant. Et bah, les verts, ça doit augmenter l'énergie, logiquement. Je lance le bosquet venteux, mais ça fait déjà une petite demi-heure. Donc on va arrêter ce deuxième épisode ici. J'espère. J'espère qu'il vous a plu, c'est à peu près un niveau, un épisode, c'est pas mal pour le moment. Et je vous dis à la prochaine, bye bye.